Patre onnipotente, suscipi ad ogni saggio. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en train d'approfondir la loi de Dieu, les commandements, les 10 commandements que Dieu a révélés à Moïse sur les monts Sinaï, qui ne sont rien d'autre que la loi de nature qui est inscrite dans les cœurs de tout homme. Et Dieu les a révélés pour qu'on puisse les connaître plus facilement. Et ces commandements sont là pour nous indiquer le chemin pour parvenir au but, c'est-à-dire la récompense éternelle du ciel, mais aussi pour parvenir déjà dans cette vie à la paix du cœur, à la paix de l'âme, sans être esclave de nos passions désordonnées. Vous savez que suite au péché originel, la nature humaine a été blessée. Jésus, en mourant sur la croix, nous a mériter de recevoir les grâces nécessaires pour guérir ces blessures, et par le baptême, nous naissons à la vie surnaturelle. Et tous les sacrements sont là pour augmenter cette vie surnaturelle en nous. Mais restent en nous les tendances désordonnées contre lesquelles nous devons lutter. Et les commandements sont là pour nous indiquer
quelle est la loi de Dieu et comment nous devons nous comporter pour acquérir la liberté des enfants de Dieu. Donc les commandements de Dieu, ce n'est pas une sorte de carcan qui est là pour nous emprisonner, mais au contraire, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour parvenir à la vraie liberté, car c'est lui qui commet les péchés et est esclave du péché. Tout péché nous détruit d'une certaine façon, moralement, mais aussi quelquefois physiquement. Et si on mène à bien cette lutte contre nos passions désordonnées, si on instaure l'ordre chrétien dans notre âme, on a la paix. La paix que saint Augustin définit comme la tranquillité de l'ordre, justement. L'ordre moral, spirituel, nous donne la paix. Et cet ordre nous permet de vivre en état de grâce, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, comme des enfants de Dieu, des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça vaut l'or du monde, bien sûr. Et dans les commandements de Dieu, quand Dieu les a révélés à Moïse, ces commandements ont été inscrits sur deux tables, les tables de la loi. Sur la première table, les trois premiers commandements, le devoir vis-à-vis de Dieu, donc le devoir d'adoration vis-à-vis de Dieu, premier commandement d'amour, de foi, croire tout ce qu'il nous a révélé, pratique de la vertu de religion. Deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Sur la deuxième table, ce sont les devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et du prochain. D'abord, nos parents, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras pas, comme nous avons vu la dernière fois. Et je vais reprendre un peu de ces cinquièmes commandements. La vie, c'est un grand don de Dieu et nous avons le devoir de la conserver et de développer tous les talents que Dieu nous a donnés, physiques, surtout intellectuels, spirituels. On n'a jamais le droit de nuire à son corps et encore moins à son âme. Et le suicide, nous l'avons vu, c'est un péché grave, très grave, le fait de se priver de la vie, de ce grand don de Dieu qu'est la vie. Soit pour échapper à la souffrance, soit pour d'autres motifs, on ne peut pas se tuer sans lever la vie. C'est un péché grave et on s'expose ainsi à l'enfer éternel. Car si on n'a pas le temps de faire un acte de contrition et on meurt en état de péché mortel, on va en enfer, il faut savoir. L'Église a beaucoup lutté contre cela et a interdit la sépulture ecclésiastique aux personnes qui se suicident. Autrefois, on n'avait pas le droit de les enterrer au cimetière, le cimetière quand il était encore considéré comme terre sacrée. Donc, le suicide direct est toujours interdit. On peut cependant risquer sa vie pour un motif grave, comme je vous faisais l'exemple des missionnaires qui partaient prêcher l'évangile en Afrique avec un grand danger de mourir à cause des maladies ou alors être tués par les sauvages. Ils mettaient leur vie en danger, mais pour la foi, pour transmettre la foi. Ou alors, encore, en guerre, un soldat peut mettre sa vie en danger pour le bien de la patrie, pour défendre les siens. On peut aussi, pour échapper à un danger imminent, s'enfuir tout en et mettre sa vie en danger. Donc l'exemple que je vais vous donner, on est sur un palais, on va au dernier étage, il y a un incendie, les flammes arrivent, on a le droit de sauter, c'est pas un suicide, on essaye d'échapper aux flammes. Ou alors, et là aussi, comme un autre exemple que je vais vous donner, si vous vous souvenez, des cas un peu particuliers, on est en train de faire de l'escalade. Vous savez, quand ils ont escaladé le Cervin pour la première fois, dans le chemin du retour, il y en a qui sont tombés. Et bon, la corde s'est cassée et il y a une partie de la cordée qui est tombée dans les vides et qui sont morts. Mais si la corde ne s'était pas cassée, ceux qui étaient en bas
pour sauver et pour ne pas entraîner les autres dans la chute, aurait eu le droit de couper la corde. Ce n'était pas un suicide, c'était pour sauver les autres. Mais on n'a jamais le droit de se donner directement la mort. Aujourd'hui, on parle de l'euthanasie, la mort douce, et bien sûr que c'est interdit. On ne peut pas se tuer pour échapper à la souffrance. Souffrir par amour de Dieu, c'est l'occasion de réparer nos péchés et aussi obtenir des grâces pour l'Église, pour les âmes. Cependant, c'est licite d'utiliser des médicaments qui peuvent soulager la souffrance, ce qu'on appelle les soins palliatifs, même si ces médicaments peuvent affaiblir la personne d'une certaine façon. Mais on peut les utiliser, ce n'est pas se donner directement la mort. Nous avons vu aussi que ce n'est pas licite de se mutiler ou alors même se faire des tatouages qui déforment le visage ou la personne. Nous sommes des enfants de Dieu, créés à son image, à sa ressemblance. L'homicide aussi, direct, est toujours interdit. On ne peut jamais tuer l'innocent, ni le blesser, ni lui faire du mal. Cependant, on a vu aussi qu'en trois cas bien précis, on peut tuer la légitime défense. Il faut qu'elle soit proportionnée à l'attaque. Le cas de la guerre, on est en guerre, il faut se défendre. Et la peine de mort. L'État peut donner la peine de mort, condamner à mort quelqu'un qui a commis un grave crime et on a la certitude qu'il a absolu, qu'il a vraiment commis. Ce sont les trois cas où on peut tuer quelqu'un qui s'est considéré comme un injuste agresseur. Nous avons vu aussi la dernière fois que l'Église a beaucoup lutté contre les duels, qui étaient en vogue surtout au XVIIe siècle et bien après encore. On n'a pas le droit de faire un duel pour venger son honneur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait le duel qu'on a vengé son honneur. Ce n'est pas forcément celui qui est dans son droit qui peut gagner le duel. Et même si on les gagne, on n'a pas le droit d'agir de cette façon-là. Le cinquième commandement nous interdit aussi le scandale. Le scandale, c'est entraîner au mal par la parole ou par l'exemple, par des livres, par des spectacles, par la façon de s'habiller qui n'est pas décente. C'est entraîner quelqu'un au péché. Et ça, c'est grave parce qu'on nuit à son âme et l'âme est plus importante du corps. Jésus a des paroles très fortes contre ceux qui scandalisent, surtout ceux qui scandalisent les enfants. Il vaudrait mieux pour ces personnes s'attacher une meule au cou et se jeter dans la mer. Ce sont des paroles très fortes prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et hélas, si on a eu le malheur de scandaliser, il faut après réparer son scandale, le scandale qu'on a pu donner. Voici donc pour le cinquième commandement. Avez-vous quelques questions par rapport au cinquième commandement? C'est assez clair. Pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, nous passons au sixième commandement. Oui. Le tyrannicide. Ça, il faut dire ce qu'a écrit Saint Thomas à ses propos. Hein, sur... De regimine principum. Il parle de ça, saint Thomas, il dit que quelqu'un, un tyran peut perdre son autorité. Quelquefois l'Église a déposé des rois, des empereurs, en les excommuniant à cause de leurs péchés. Est-ce qu'on peut, on peut essayer de renverser un ordre injuste si on a la possibilité de réussir et instaurer un ordre meilleur. Autrement, on risque de causer des maux qui sont plus grands que ceux auxquels on voudrait réparer. Mais c'est une question qui a été traitée, surtout par saint Thomas, si vous intéresse, je peux vous donner des références.
Donc, nous allons voir aujourd'hui les sixième et neuvième commandements. Tu ne feras pas d'impureté, tu n'auras pas de désir impur volontaire. La vertu de pureté, c'est une grande vertu, importante. Car, comme dit Jésus dans l'Évangile, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ce n'est pas la vertu la plus grande, la plus grande vertu, c'est la charité, mais la pureté nous aide à vaincre, je dirais, un de nos principaux ennemis à la vie spirituelle, à la vie chrétienne. Car à cause du péché originel, comme je vous disais tout à l'heure, restent en nous les tendances désordonnées. Dieu avait enrichi Adam et Ève avec la grâce sanctifiante, des dons préternaturels, notamment du don d'intégrité, c'est-à-dire que leur partie sensible était parfaitement soumise à la raison et la raison à Dieu. En perdant la grâce sanctifiante, ils ont perdu les dons préternaturels, d'où cette révolte. Si vous lisez la Genèse, vous voyez comment, après le péché, Adam et Ève s'aperçoivent d'être nus et ils vont se couvrir à cause du dérèglement donc, de leur passion qui s'est fait sentir. Jésus, en mourant sur la croix, nous a mérité les grâces pour retrouver la vie surnaturelle, la grâce sanctifiante. Mais même après les baptêmes, restent en nous ces tendances désordonnées contre lesquelles nous devons lutter. Et Dieu l'a permis pour que ce soit pour nous l'occasion de mérite. Car dans la tentation, il ne faut pas considérer uniquement l'aspect négatif. C'est embêtant d'être tenté. Mais c'est pour nous l'occasion de manifester notre fidélité, de grandir dans la pratique des vertus, de faire des actes d'amour de Dieu, d'humilité, de manifester notre fidélité. Cependant, reste en nous ces tendances désordonnées, il faut les savoir. Adam et Ève ne pouvaient pas pécher ni par paresse, ni par gourmandise, ni par impureté. Nous, au contraire, nous sommes attirés par les biens sensibles, même quand ils sont contraires à la raison et à la loi de Dieu. C'est pour ça que nous devons mener un combat pour garder la vie de la grâce, pour observer les commandements de Dieu. Et ces sixième et neuvième commandements nous interdisent donc tout acte contraire à la vertu de pureté, même toute pensée volontaire contraire à la vertu de pureté. Alors, pour bien comprendre ces commandements, il faut savoir que Dieu a accordé un plaisir pour faciliter l'accomplissement de certains devoirs que nous avons. Exemple, nous avons le devoir de nous nourrir pour prendre des forces, pour faire notre devoir d'État. C'est pour ça que Dieu a accordé un plaisir au fait d'assumer la nourriture et la boisson. Encore, il faut que cela soit bon, hein, bien sûr. Bonne cuisine italienne, là. En France, vous défendez pas mal quand même. Donc, il y a un plaisir qui est licite, bien sûr, de chercher aussi, mais pour le but ultime, qui est celui de sustenter notre organisme. Chercher le plaisir en dehors du but, c'est un désordre, contraire à la raison, contraire à la loi de Dieu, comme faisaient les païens qui mangeaient et, excusez-moi, ils allaient ensuite vomir pour encore éprouver les plaisirs de la nourriture. Donc, ils séparent, ils cherchent le plaisir en dehors du but. Vous me suivez? Et là, c'est le désordre. Eh bien, si vous appliquez ça à l'impureté, vous comprenez le désordre de chercher ce plaisir que Dieu a voulu donner à l'acte conjugal dans le mariage pour favoriser les devoirs de la procréation et de l'amour entre l'époux et l'épouse, le chercher en dehors du mariage. Voilà, c'est un désordre parce qu'on cherche le plaisir en dehors du but qu'on peut réaliser uniquement à l'intérieur du mariage, parce que on peut s'exposer autrement, soit avoir des enfants en dehors du mariage, c'est un grave désordre, parce qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère qui soient unis pour l'accueillir. Il a besoin de ce climat affectif sain pour naître, pour se développer dans une atmosphère qui puisse lui permettre de s'épanouir.
Ou alors on utilise des contraceptifs, ce qui est un péché grave, parce que ça empêche à l'acte d'atteindre son but. C'est là le désordre, qui justement blesse la vertu de pureté et qui est interdit par les sixième et neuvième commandements. Donc le neuvième commandement nous interdit pas seulement les actions, mais aussi les désirs impurs volontaires. Il faut bien comprendre qu'on peut pécher simplement par la pensée, même si on ne réalise pas l'acte. Une fois qu'on a voulu chercher le plaisir dans les mauvaises pensées, on a voulu réaliser l'acte, même si on ne le fait pas concrètement, on a déjà commis un péché grave, parce qu'il n'y a pas de matière légère dans ces sixième et neuvième commandements. Cependant, et ça c'est très important de le comprendre, on n'est pas responsable de toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Ça, c'est dans l'ordre de la tentation. Tentation, ce n'est pas péché. Qu'est-ce que la tentation? Le démon peut nous faire comme du cinéma dans l'imagination, il peut même agir sur notre sensibilité. Mais sentir n'est pas consentir. Avoir une mauvaise pensée, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Dans la mesure où on ne veut pas ces pensées, qu'on prie, qu'on les rejette, il n'y a aucun péché. C'est même une occasion de mérite. Le péché vient dès que la volonté consente, dès que la volonté accepte, adhère à ces mauvaises pensées, et en plus, elle veut commettre l'acte. Là, il y a déjà un péché. Même, je le répète, s'il n'est pas suivi d'action. Tout péché commence dans l'esprit. Vous voyez, je pense à un voleur qui a déjà décidé d'aller dévaliser, que sais-je, une grande surface. Il a fait son plan, il y va, et après, un manque de peau pour lui, il y a une voiture de la police qui est garée là-dedans. Donc, il dit non. Du coup, je n'irai pas voler aujourd'hui, c'est l'heure, je vais à la messe à Saint-Nicolas, comme ça je pourrai communier. Non, il faut se confesser avant, parce qu'il a déjà commis un péché en voulant faire le mal, en décidant de faire le mal. Voilà, ça c'est important à comprendre pour ne pas tomber dans les scrupules d'un côté, mais aussi pour mener à bien ces combats qui commencent dans notre esprit. Dès qu'une pensée arrive et on sait qu'elle n'est pas bonne, il ne faut pas s'amuser à la considérer sous tous ses aspects, tout en ayant la volonté de ne pas consentir. On met déjà le doigt dans un engrenage. Il faut la rejeter tout de suite. Une prière, une petite pénitence, si elle persiste. On ne discute pas avec le démon. Alors, du point de vue des pensées, si on ne rejette pas tout de suite une pensée mauvaise qui arrive, il y a un péché véniel. Le péché mortel est si on adhère au mauvais plaisir que cette pensée nous donne. Et surtout si on prend la décision de passer à l'acte, bien sûr. Voilà, ça c'est très important. Alors, qu'est-ce que ces deux commandements nous interdisent? Donc, bien sûr, les mauvaises actions contre la pureté, oui. Si on est fiancé, on n'est pas encore marié, mais on est proche, et on peut penser... Alors, on peut penser à l'autre, on a le droit de penser à tout ce qu'on peut faire. Entre fiancés, ce qui est licite, c'est licite, ce qui est licite entre un frère et une sœur. Mais ce serait un péché, vous voyez, penser déjà au mariage, à l'acte conjugal, vous voyez ça après, d'accord? Et prendre plaisir par rapport au futur. Donc les mauvaises actions, seules ou avec d'autres, voyez, un seul acte peut contenir plusieurs péchés. Une mauvaise action seule, c'est un péché. Si avec une autre, voilà, il faut s'en accuser. Si l'autre personne est mariée, c'est un péché d'adultère. Si les deux sont mariés, c'est un double adultère. Si on commet un péché contre la pureté avec une personne du même sexe, c'est un péché contre la nature. Ce sont des circonstances qu'il faut accuser en confession, qui rendent les péchés plus graves ou alors qui font que un seul acte contient plusieurs péchés. Et bien sûr, ce qui est péché, c'est s'exposer déjà à mauvaises actions, par des mauvaises lectures, de mauvais films, par la pornographie. L'effet de regarder de la pornographie, c'est déjà un péché grave.
parce qu'elle expose au mal, au péché. Aujourd'hui, hélas, nous vivons dans un monde qui est pourri. Ça me fait toujours penser à ces consignes qu'avaient les appartenants à cette rétrologe de la maçonnerie qui avait été découverte dans les états pontificaux dans la première moitié du 19e siècle. Ça s'appelait la Haute Vente. On avait découvert des documents secrets de cette secte qui avait pour but de détruire les états pontificaux et la religion catholique. Et dans les consignes, on lisait ceci: faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de chrétiens. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de chrétiens. Et c'est vrai. C'est vrai, car comme le dit saint Paul, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Le démon sait qu'on est faible sur ce point. Et alors il tente les hommes. Saint Alphonse de Ligorie disait que sur 100 personnes qui sont en enfer, 98, ils y sont à cause des péchés contre la pureté. D'où l'importance pour nous de mener à bien ce combat. Pratiquer cette vertu de chasteté. Et on peut y arriver par la prudence. La prudence. La prudence est la mère de toutes les vertus. C'est lui qui s'expose au péché, déjà, il finira pour y tomber. Donc, et je pense surtout aujourd'hui, hélas, à la pornographie qui fait des ravages. La possibilité d'accéder à des saletés sur Internet d'une façon si facile, que de mal ça fait auprès de la jeunesse, auprès des adolescents, même les personnes mûres. Et pour ça, il faut mener à bien ce combat. Savoir prendre le taureau par les cornes, comme on dit en Italie, peut-être en France aussi. C'est-à-dire prendre les moyens qu'il faut. Jésus dit dans l'Évangile, « Si ton œil est pour toi objet de scandale, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer borne dans le royaume des cieux qu'être jeté avec les deux yeux en enfer. » Et par là, notre Seigneur nous dit qu'il faut être prêt à tout pour éloigner l'occasion des péchés. Alors, on a la mauvaise habitude d'aller sur Internet avec son téléphone portable, son ordinateur. Il faut prendre des moyens, parce que ça devient inutile d'aller se confesser toutes les semaines, d'être tombé dans les mêmes fautes, si on n'éloigne pas l'occasion prochaine du péché. Il faut éloigner l'occasion prochaine du péché. Prendre des résolutions concrètes. Si on n'y arrive pas, il faut prendre les moyens pour y arriver. Par exemple, il y a des programmes, des contrôles parentaux qui empêchent d'aller sur certains sites. Mais pour que la confession soit valide, il faut vraiment prendre les résolutions qu'il faut, nécessaires pour éloigner l'occasion du péché. Donc, on peut pécher par des écrits, par des paroles déshonnêtes. Il faut faire attention, on risque de scandaliser les autres par des mauvais discours. Et là, on est responsable pour chaque personne qui a écouté nos mauvaises paroles scandaleuses. Et pensez à ces responsabilités pour les personnes qui écrivent des mauvais livres, des mauvais revues, des mauvais films. Que des personnes sont scandalisées. Donc, ces péchés sont graves. Pourquoi ? Pour l'âme, parce que l'impureté aveugle l'esprit, endurcit le cœur. Elle ravale l'homme au niveau de la bête. Nous avons une âme spirituelle faite pour des choses bien plus élevées. Et donc l'impureté pousse à, bien sûr, à l'irreligion et à l'impénitence finale. On est sur la tyrannie des sens. Et vis-à-vis du corps, bien sûr, il y a des maladies où l'homme se détruit par l'impureté. L'homme, la femme, c'est... Et aussi une société qui est plongée dans l'impureté, c'est une société décadente. La fin de l'Empire romain a eu comme cause aussi cela, l'eugénisme, le fait qu'il n'y avait plus d'enfants et la recherche des plaisirs impurs. Alors, quelles sont les causes de ces péchés contre la pureté? Il y a des causes extérieures, bien sûr, mauvaise lecture, spectacle, musique, danse, bal, mauvaise fréquentation, les tenues immodestes.
Il y a des musiques qui sont faites pour débrider les sens. Il y a des lieux comme des discothèques ou de, qui sont certainement faits pour élever l'âme, hein, pour faciliter les extases mystiques, hein, en général. Sauf des extases artificielles par des drogues. Hein, mais... Donc ce sont des endroits à éviter, évidemment. Les mauvaises lectures, les films. Aujourd'hui, il faut être très prudent vis-à-vis des films. Même des films apparemment neutres contiennent souvent de mauvaises scènes. Donc il faut savoir ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Il faut pratiquer toujours cette prudence. Il y a un moment délicat dans la vie. Donc avant le mariage, on fréquente dans le but du mariage. Si on a eu la grâce de rencontrer un bon garçon, une brave fille, c'est un don de Dieu, surtout aujourd'hui. Et donc il faut être reconnaissant et surtout tout faire pour ne pas devenir occasion de péché pour l'autre, évidemment. Parce que ce n'est pas ça le véritable amour. L'amour nous porte à vouloir le bien de la personne qu'on aime. Et son bien, c'est qu'il vit en état de grâce, qu'il puisse grandir dans la grâce sanctifiante. Tandis que si on les tente, on les pousse au mal et on devient vraiment occasion de péché et on détruit en lui ce qu'il, ou en elle, ce qu'il y a de plus beau. La vie de la grâce, on expose la personne à la mort spirituelle et à la mort éternelle, à l'enfer. Et pour ça, il faut la prudence, bien sûr. On dit qu'entre deux personnes qui sont fiancées, qui se fréquentent, c'est licite ce qui est licite entre un frère et une sœur. Donc, pas plus. Nous avons le péché originel, il ne faut jamais l'oublier. Et pour arriver à pratiquer cette vertu de chasteté dans les fiançailles, qui est très importante, parce que ça permet d'avoir une connaissance profonde de l'autre, qu'il ne soit pas aveuglé par la passion. Beaucoup de mariages sautent en l'air aujourd'hui à cause du fait que, en fait, on n'a pas vécu dans la pureté avant les mariages. Et donc, on ne s'est pas connu profondément. Et une fois que la passion s'est tenue dans les mariages, on passe, on se trouve face à une personne qu'on ne connaît pas en réalité. Donc, c'est un temps précieux que celui des fréquentations. Je dis toujours que nous, les prêtres, pour se préparer au sacerdoce, on étudie 6 ans. Et ce n'est pas de trop. Eh bien, pour se préparer au mariage, c'est quelquefois 1 an ou quelques mois. Ça peut être suffisant, mais il faut encore bien utiliser ce temps précieux. Pour prier davantage, faire une retraite, avoir des conseils d'un prêtre, se fréquenter dans la pureté pour mettre des bases pour le foyer futur et bâtir non pas sur du sable mais sur du roc. Et ça vaut la peine de faire des sacrifices pour cela, je vous assure. Tandis que si on est imprudent, eh bien, on risque de justement tout gâcher. Donc pour ça, il ne faut pas se voir seul chez l'un ou chez l'autre. Ce sont des règles élémentaires de prudence. Avoir une vie spirituelle et profiter de ces temps, bien sûr, pour approfondir la doctrine sur les mariages. On peut pécher contre la pureté même dans les mariages, comme je vous disais. Une fois qu'on se marie, on prend des engagements vis-à-vis de Dieu, de la société civile. L'engagement à la procréation, avoir des enfants, les éduquer. Il faut être ouvert à la vie. Tout ce qui est contraception dans les mariages qui peut empêcher l'acte d'atteindre son but est péché grave. Péché grave. Dans des cas très précis, on peut utiliser ce qu'on appelle les méthodes naturelles, c'est-à-dire avoir des rapports uniquement dans les périodes infécondes. Mais cela, on peut le faire s'il y a un motif réel, grave, qui peut être un problème de santé, grande fatigue, problème économique, eugénique, comme dit le pape Pie XII dans un célèbre discours aux sages femmes. Mais on ne peut pas toujours utiliser les méthodes naturelles pour éviter la procréation s'il n'y a pas de motif, parce que ça devient de la contraception naturelle, mais quand même de la contraception. Puisqu'en se mariant, on a des devoirs d'être ouvert à la vie, des devoirs à la procréation, et dans la mesure où on use du conjugal, du mariage.
serait quand même un peu moins le motif pour un couple qui aurait déjà conçu une grande famille et qui, malgré tout, partage, enfin, s'unissent. Ben, il faut voir ça, chaque cas particulier. Vous voyez, on a beaucoup d'enfants. Avoir une autre enfant, ça peut être problématique, au moins en ce moment, pour le logement, parce que ça peut nous poser des problèmes économiques. On peut. Il faut qu'il y ait un motif réel devant Dieu, que les époux devant Dieu doivent se dire, voilà, en ce moment, ce serait pas prudent d'avoir un autre enfant. Et là, on peut utiliser des méthodes naturelles. Pour un temps, ou alors pour toujours, si les motifs persistent. J'ai eu des amis en Italie qui ils avaient un problème. Ils transmettaient à leurs enfants des maladies héréditaires, si vous voulez. Sur 4 enfants, ils ont eu 2 handicapés. Ça peut être un motif, évidemment. Alors, quelles sont les causes des péchés contre la pureté? Il y a les causes antérieures, bien sûr, ces tendances qui restent en nous suite au péché originel. Il y a les causes extérieures aussi, bien sûr. Les causes antérieures sont aussi la concupiscence, mais aussi l'orgueil, l'intempérance. L'orgueil est à la racine de tous les péchés. L'orgueil nous conduit à nous séparer de Dieu. Voici pourquoi Dieu peut permettre quelquefois, pour mortifier l'orgueil de certaines personnes, qu'ils tombent dans des péchés humiliants, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont rien. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Donc l'orgueil, la concupiscence, l'intempérance, bien sûr, l'intempérance dans les manger, dans les boire, conduit à l'impureté. Il faut être tempérant et aussi pénitent. Quelle est la différence entre tempérance et pénitence? La tempérance nous aide à garder le juste milieu, donc à manger, boire, dormir, ce qu'il faut. Pas plus, ce qu'il faut. Par la pénitence, on se prive de quelque chose qu'on pourrait raisonnablement prendre. Voilà. Vous privez d'un dessert que vous pourriez prendre raisonnablement, ça c'est de la pénitence. Vous avez déjà pris votre dessert et vous n'en prenez pas une deuxième part ou une troisième, ça c'est de la tempérance. D'accord? Voilà. Alors, quels sont les remèdes? Le remède dans ces combats? Eh bien, d'abord, comme je vous disais, la fuite des occasions. Il faut fuir l'occasion du péché. Ça, c'est élémentaire, c'est fondamental. Tout ce qui nous conduit au péché, il faut y renoncer. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui est en jeu. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme, dit Jésus dans l'Évangile. Et comme je vous disais tout à l'heure, encore notre Seigneur nous dit qu'il faut être prêt à faire tous les sacrifices plutôt que se mettre dans les dangers de pécher et donc de perdre son âme. Fuite des occasions, pratiquer l'humilité. L'humilité est la gardienne de la pureté. Être humble. Comment on peut grandir dans l'humilité? En acceptant les humiliations. En acceptant les humiliations que Dieu permet. Et aussi, le fait de ne pas se mettre en avant, de ne pas parler de soi, de savoir écouter les autres. Voilà. Pratiquer la vertu d'humilité, se rappeler qu'on est pécheur, qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu, que Dieu nous a tant pardonné. Cultiver cet esprit de compunction. Qu'est-ce que c'est que la compunction? C'est connaissance de nous-mêmes, pauvres pécheurs. Nous avons offensé Dieu, on devait être peut-être en enfer en ce moment, mais Dieu nous a conservé en vie, nous a pardonné. Et donc cette gratitude, cet amour, cette bonté vis-à-vis du prochain, quand on sait ce que nous sommes, cela nous porte à être miséricordieux vis-à-vis des autres, et ne pas être là, les doigts pointés pour voir tous les défauts et les péchés des autres. Comme dit Jésus dans l'Évangile, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. La bonté, l'humilité. Après, la mortification, savoir mortifier notre corps. Par le jeûne, quelquefois,
par la pénitence. La pénitence, déjà accepter patiemment les contrariétés que Dieu prévoit, que Dieu met sur notre route. Savoir dans le travail, en famille, problèmes de santé, que sais-je. Savoir l'accepter. Dire, mon Dieu, je vous l'offre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas chercher à guérir si on est malade ou résoudre des solutions. Mais si on n'y arrive pas, pendant les temps qu'on n'y arrive pas, savoir être patient et offrir tout ça à Dieu. Pratiquer la mortification du corps, soumettre le corps à l'esprit. Ça, c'est très important, surtout si on a de mauvaises habitudes contre la pureté. Vous voyez, tous les saints ont pratiqué des mortifications corporelles, même très fortes, qui nous paraissent aujourd'hui choquantes. Des saints comme Saint Curé d'Ars qui s'est donné la discipline avec des chaînes jusqu'au sang, qui portait des cilices avec des pointes. Il ne faut pas mépriser ce genre de pénitence. Ils ne sont plus à la mode. Bon, ils ne sont peut-être pas conseillés à ce niveau-là, mais il existe encore aujourd'hui des disciplines de cordes qu'on peut utiliser ou d'autres instruments de pénitence pour mortifier son corps, ou alors pratiquer le jeûne, ou pratiquer de petites pénitences corporelles si vous êtes seul le soir dans votre chambre, vous faites quelques dizaines de chapelets, les bras en croix, par exemple, en méditant sur Jésus qui est resté 3 heures sur la croix, pour nous, à cause de nos péchés qu'il a pris sur lui. Ou alors vous pouvez faire les 3 « Je vous salue Marie » pour la pureté, en mettant les doigts de 2 mains sous les genoux. Ça fait mal, ça fait même très mal, ça casse pas les doigts, mais il ne faut pas mettre un coussin. Hein. Vous mettez les doigts. Mais le démon n'est pas du tout ça. Si on pratique ces quelques moyens, on peut facilement le chasser. Mais surtout, cela commence le matin, quand le réveil sonne, sortir toujours, tout de suite, du lit et faire une prière. Dès que le réveil sonne. Ça, donner à Dieu les prémices de votre journée. Autrement, il peut permettre que le démon vienne vous tenter à ce moment. On est là, moitié endormi, on se retourne de tous les côtés. Non, on sort du lit, on fait la prière. On consacre notre journée à Dieu. Donc, la mortification. Et bien sûr, le travail manuel n'est pas resté oisif. La paresse est la mère de tous les vices, comme on dit, et c'est vrai. Bien structurer sa journée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir un temps pour la détente. La détente est importante. Mais une détente qui soit ordonnée. Si vous restez 2 heures devant Internet, devant un écran, ce n'est pas une vraie détente psychologique. Vous voyez. Ça va vous énerver encore davantage, vous affaiblir. Faites du sport, éventuellement. Le sport, c'est très utile, surtout pour les jeunes, les adolescents. Ça aide énormément, énormément. Donc, Saint Jérôme disait, s'il y a un seul démon qui tente une personne qui travaille, il y en a 100 qui tentent les paresseux. Donc, c'est bien plus difficile de tomber dans les péchés si on est occupé. Pour ça, il faut, comme je vous disais, établir l'heure du coucher le soir, l'heure du lever le matin, et avoir un petit programme la journée, bien gérer son temps. Temps pour la prière, Dieu premier servi, comme disait Saint Jean d'Arc, un temps pour le travail, ou l'étude, les devoirs de famille, que sais-je, un temps pour la détente. Voilà. Mais ne perdez pas votre temps. Le temps, c'est un don précieux de Dieu. Un don précieux. Et en plus, dans les remèdes, pour vivre dans la... Dans la pureté, il y a bien sûr la prière. La prière dans les tentations, prier la Sainte Vierge. Si la tentation s'intensifie, continuez à prier. Moi, je vous conseille vraiment de prendre l'habitude de ce qu'on appelle la prière continuelle. Qu'est-ce que c'est que la prière continuelle? C'est s'habituer, dès qu'on est seul, à revenir vers Dieu, faire continuellement des petites prières jaculatoires. Vous pouvez utiliser la prière du publicain dans les temples. Seigneur, ayez pitié de moi, pécheur.
vous la répétez souvent, même sur vos doigts, sur les chapelets, Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi. Alors, vous en mettez votre prière, Jésus, j'ai confiance en vous. Vous la répétez, là encore, souvent, souvent, vous la changez de temps en temps. C'est un moyen très utile. Déjà, nous permet de vivre à la présence de Dieu, car quand nous vivons en état de grâce, Dieu habite en nous. Non pas uniquement comme créateur, mais comme un ami, comme un père. Et nous, on l'oublie souvent. Et le fait de revenir vers lui souvent dans la journée nous permet de sanctifier notre journée et surtout de bénéficier de son aide. Pourquoi quelquefois on est angoissé face aux difficultés de la vie? Parce qu'on se sent seul, impuissant. Et on a oublié qu'on a un ami tout puissant qui n'est pas loin. Dieu, notre Seigneur, qui nous aime et qui est tout puissant. Et qui n'est pas loin, il habite en nous. Si on ne le chasse pas par les péchés mortels, il est là, dans notre âme. Et on peut revenir à lui à chaque instant. Et avec lui, il n'y a pas de difficultés qui soient insurmontables. Il a aidé les martyrs à défier leur bourreau. Et donc, il nous aidera dans tous nos petits problèmes de la vie quotidienne. Et ça, c'est... Prenez cette habitude, la vie des prières. Quand Jésus dit dans l'Évangile, il faut toujours prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps à genoux en train de prier, mais faire la volonté de Dieu, c'est de vivre sous le regard de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, vis en ma présence et sois parfait. Vis en ma présence et sois parfait. Comme pour lui donner, avec cet ordre d'être parfait, le moyen pour y parvenir. Et quel est le moyen? Vivre à la présence de Dieu. Si on vit à la présence de Dieu, si on se souvient que Dieu nous voit partout, eh bien, bien plus difficilement, on commet un péché. Dieu voit tout, même nos pensées. Une fourmi noire sur une pierre noire, dans une nuit noire, Dieu la voit. Hein, comme dit un proverbe. Donc, vivre sous son regard, à la présence de réalité surnaturelle, notre ange gardien qui est là, même si on ne les voit pas. Et donc, autre moyen très important, c'est veiller sur nos pensées. Déjà, le fait de pratiquer cette prière continuelle nous aide énormément à ne pas nous faire envahir par les pensées noires. Pensées qui peuvent être tentation, pensées de découragement. Tout pensée qui nous décourage ne vient pas de Dieu. Tout pensée conditionnelle qui trouble ne vient pas de Dieu. Et donc, il faut la rejeter tout de suite. Le fait de multiplier ces petites prières nous aide énormément au fait que notre esprit soit plein de la pensée de Dieu et donc il n'y a plus de place pour d'autres choses. Et après, s'habituer à vraiment trier les pensées qui se présentent à la porte de notre esprit. J'aime bien cette image, il faudrait que nous soyons à la porte de notre esprit comme un soldat avec son épée dégainée. Pour trier les pensées. On trie ce qui vient de Dieu, bien, ce qui trouble, ce qui nous tente, nous pousse au mal, tout de suite, stop. On ne met pas les doigts dans l'engrenage. Si on met les doigts dans l'engrenage, c'est plus difficile après faire face, bien sûr. Je ne dis pas qu'on a péché tout de suite, mais on commence à discuter avec les démons d'une certaine façon. Donc, et là, c'est la première règle du discernement des esprits. De ne pas discuter avec les démons. Il m'a laissé. Est-ce qu'on peut prier dans notre tête sans parler Bien sûr qu'on peut prier sans parler, bien sûr. On peut penser. L'effet de penser, mon Dieu, je vous aime, Jésus, j'ai confiance en vous, ça suffit. Hein. Bien sûr, on n'a pas besoin de l'exprimer extérieurement. Donc, autre moyen qui sont très importants, bien sûr, c'est la confession fréquente. Chaque fois qu'on reçoit les sacrements de pénitence, on reçoit une grâce particulière, la grâce du sacrement, qui nous donne la force de ne pas tomber dans les péchés qu'on vient d'accuser. Donc, c'est confesser fréquemment. Et ça, n'ayez pas peur de déranger les prêtres. Ici, vous avez beaucoup, beaucoup de facilités pour vous confesser tous les jours. Toute la journée, un prêtre à votre disposition au bureau des gardes, à l'entrée de l'église, de 9h à 12h45, de 15h30 à 19h30. Le dimanche, toutes les messes, il y a trois prêtres qui confessent. Vous ne pourrez pas dire après, ah,
quand vous paraîtrez devant notre Seigneur, mais j'étais à Saint-Nicolas, mais je n'ai pas pu me confesser. Ah non. Et donc, venez vous confesser régulièrement. Il n'y a rien de mieux pour se corriger des mauvaises habitudes que se confesser régulièrement, que d'évincer le péché par la confession. Et on a le malheur de tomber tous les deux semaines dans un péché contre la pureté. On s'est dit, non, là, avant de tomber, je vais me confesser. Ce qui fait qu'on reçoit une grâce. Et donc, on a plus de force pour tenir encore une semaine, 10 jours. Et là, on se confesse avant le péché. Et plus le temps passe sans qu'on soit tombé dans les péchés, plus c'est facile de vaincre la mauvaise habitude. Comment on peut vaincre une mauvaise habitude? Par une habitude contraire, par une bonne habitude. Plus le temps passe, hein, qu'on tombe dans les péchés, plus c'est facile de résister. La confession fréquente, et cela va avec la communion fréquente, bien sûr. Il faut communier. Une des grâces de la Sainte Communion, c'est celle d'affaiblir nos tendances désordonnées et nous permettre de vivre dans la pureté. La grâce de la Sainte Communion. On appelle la Sainte Eucharistie le pain des anges, parce qu'il aide les hommes à vivre comme des anges, dans la pureté, malgré un monde aujourd'hui qui nous entoure et qui entraîne au mal si facilement. Et c'est possible, et c'est même facile avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Voilà, hein. Ça c'est important. Bien, alors nous avons vu les 6e et 9e commandements avec l'importance de pratiquer la vertu de pureté qui nous permettra de voir Dieu un jour, tandis que l'impureté détruit la beauté de l'âme, détruit le corps aussi, nous ravale au niveau des bêtes et nous empêche d'avoir une vie spirituelle. Et nous avons vu quelles sont les causes, quels sont les remèdes à mettre en pratique pour grandir dans cette vertu. Avez-vous quelques questions à ces propos? Oui. Au sujet de la mortification du corps, comment discerner si c'est vraiment par amour pour Dieu ou juste un peu aussi par orgueil? Si par exemple on se dit, ah, je veux un peu faire comme un certain saint. Alors, comment savoir? C'est une bonne question parce que c'est vrai que même quand on décide de faire des bonnes choses, on peut avoir une intention qui n'est pas totalement pure. D'où l'importance de purifier notre intention et d'essayer de chercher donc, la volonté de Dieu et d'agir par amour de Dieu. Et aussi pour ne pas tomber ni dans l'orgueil ni dans des excès, car après une conversion, il peut y avoir le démon est terrible. Hein. Il peut vous tenter soit d'un côté, soit de l'autre. Soit côté d'avoir une vie plongée dans l'intempérance, soit de faire beaucoup, beaucoup de pénitence pour détruire votre santé. Comment trouver les bons milieux? Par les conseils d'un prêtre. Vous allez vous confesser, vous dites, voilà, j'aimerais bien faire cette pénitence, est-ce que vous êtes d'accord? Comme ça, vous le faites sous l'obéissance. Et davantage, vous pouvez garder cette pureté d'intention et aussi ne pas faire des imprudences. Oui. Du coup, on n'a pas le droit de décider de jeûner nous-mêmes. Il faut demander d'avoir l'avis d'un prêtre. Alors. Et la durée aussi, c'est-à-dire si je décide de jeûner 4 jours, par moi-même, c'est... Alors, on peut le faire, mais c'est plus prudent de demander l'avis d'un prêtre. Parce que, comme je vous disais, le démon est terrible. Donc, j'avais entendu que des prêtres qui voulaient imiter des saints curés d'art, c'était totalement ruiner la santé parce que Dieu ne demande pas à tout le monde la même chose. Et du coup, on ne peut plus faire son devoir d'État. Tandis que si on le fait avec les conseils d'un prêtre qui représente Jésus, on le fait sous l'obéissance. C'est plus méritoire. Ça empêche de devenir orgueilleux. Moi, j'ai fait 4 jours de jeûne. De suite. Ben, le démon est terrible. Il utilise tout pour nous pousser au mal. Tandis que là, voilà, le prêtre vous dira, vous conseillera peut-être pas 4, mais vous en faites que 2. Vous donnera. Et après, il y a un suivi. Et on ne fait pas de temps prudence. Oui? Il y a quelque chose par rapport aux mortifications. Je veux dire, on est.
On ne peut pas nuire à sa santé. On ne peut pas nuire à sa santé, ça c'est sûr, mais on peut se donner une douleur physique sans abîmer sa santé, comme quand on jeûne. Hein. Quand on jeûne, on a faim, mais on ne mange pas. On souffre un peu. Et on s'impose ça pour un bien supérieur. Les deux, on fait pénitence pour réparer les péchés passés, mais aussi pour soumettre le corps à l'esprit et aussi pour obtenir des grâces. Jésus est resté 40 jours dans le désert en faisant pénitence. Hein. Et on peut, il faut se dire que nous sommes âme et corps, mais sont à nous des tendances désordonnées qu'il faut mortifier pour que l'âme puisse s'élever vers Dieu. Parce que si on ne mortifie pas les mauvaises tendances, eh bien, on risque de devenir esclave de ses passions. Est-ce que ça ne suffit pas d'essayer déjà de bien se comporter? Parce que c'est déjà assez dur de bien se comporter. Donc... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais, vous voyez, l'Église, par exemple, nous demande de jeûner au moins 2 jours dans l'année. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et elle nous demande de faire l'abstinence de la viande le vendredi. Donc l'Église nous pousse à la pénitence. Après, elle laisse ouvert après notre libre volonté. Encore une fois, il faut distinguer. On ne peut pas nuire à sa santé, mais il faut mortifier le corps pour le soumettre à l'esprit. Parce que le corps, autrement, peut nous entraîner dans la paresse, dans la luxure ou dans la gourmandise. Et voilà. D'autres questions? Je vous vois un peu perplexe. N'hésitez pas, oui. Vous avez dit qu'on devait s'éloigner de toute tentation. Si le milieu dans lequel on a grandi, les fréquentations, etc., nous poussent à la tentation, que ce soit la luxure ou différents autres péchés, est-ce qu'il faut totalement se séparer de ses amis, totalement changer Voilà, ça dépend. Est-ce que c'est dans le monde, il y a partout des tentations, hein, aujourd'hui, à l'école, dans le travail, et nous, on doit travailler, évidemment, et, alors dans les milieux familiaux, ça peut être. Ce qui est important, il faut voir si ces tentations, c'est une occasion prochaine de péché ou pas. L'occasion prochaine, c'est celle qui nous fait tomber dans les péchés, chaque fois qu'elle se présente, pratiquement. Et ça, il faut l'éloigner absolument, d'une façon ou d'une autre. Si on ne peut pas l'éloigner, il faut, physiquement, il faut l'éloigner au moins spirituellement, par une vie spirituelle plus intense. Un exemple, on travaille et on est tenté par quelqu'un avec qui on travaille ensemble. Et il y a eu déjà des péchés avec cette personne et on ne peut pas quitter son travail pour l'instant, on est obligé de la revoir, mais alors il faut prendre des moyens pour éloigner l'occasion. Ne jamais se voir seul avec cette personne, prier davantage, faire pénitence, vous voyez. Pour que cette occasion des prochaines devienne éloignée. J'ai répondu à votre question ? Mais c'était plus, par exemple, avec mon patron, on discute beaucoup de différentes choses, il n'a pas du tout une mentalité chrétienne sur plein de choses, et est-ce que, comment vivre avec ça ? Oui, mais en fait, ce n'est pas pour ça que vous tombez dans les péchés. Non. Voilà, donc ce n'est pas une occasion prochaine des péchés pour vous. Vous pouvez essayer de témoigner votre foi. On vit tous dans un monde qui est loin de Dieu, mais Dieu nous demande d'être dans le monde, mais non pas être du monde, c'est-à-dire être dans le monde pour donner des bons exemples, pour essayer de transformer le monde à la lumière de la foi. Pour ça, il faut avoir une vie spirituelle profonde. Mais le fait d'être avec des personnes qui ne pensent pas pour nous, ce n'est pas une occasion prochaine de péché, souvent. L'occasion prochaine des péchés, c'est celle qui nous fait tomber dans les péchés. D'accord ? Oui, ça veut dire par exemple si je prends le cas de quelqu'un qui fréquente, qui est très droit, etc., mais qui malheureusement a des amis, par exemple, qui vendent de la drogue. Oui. Il se retrouve à jouer, il fréquente que pour jouer aux boules. Oui. Se détendre. Il peut être une occasion de sanctifier ces personnes-là par son attitude. Ça peut être. Pourquoi pas ? Après, ça dépend. Est-ce que parce qu'il va jouer aux boules, il commence à se droguer lui aussi? Alors là, il faut couper net. S'il ne commence pas à se droguer, s'il est ferme dans ses idées, il peut faire du bien. Tout dépend quelles sont les conséquences sur notre vie spirituelle.
Il ne faut pas présumer de ses forces, mais il faut savoir aussi que Dieu nous donne la grâce de la foi pour la transmettre. Il faut avoir cet esprit missionnaire apostolique, comme là le MJCF, le mouvement de la jeunesse catholique, par exemple, qui essaie de faire du bien. Voilà. Oui. Moi, je ne dis pas qu'il faut éviter. Je dis qu'il faut l'éviter si le fait de la fréquenter nous fait tomber dans les péchés. Là, oui. Mais si ce n'est pas le cas, on peut faire du bien. Quand ? Je répète, l'occasion prochaine des péchés, c'est celle qui nous fait tomber dans les péchés. Hein? Si, au contraire, nous, on essaye, on peut faire du bien, là, on peut faire du bien, il faut essayer de le faire. Et il faut essayer de garder les contacts. Mais être prudent, ne pas présumer de ses forces non plus. D'accord ? Voilà. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, alors juste une chose importante, plusieurs choses. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours de catéchisme. Parce que jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, donc fête d'obligation, comme vous savez.